Goedenavond allemaal. Eerste persconferentie van het nieuwe seizoen hier op het Albertpark. Zoals gewoonlijk geef ik eerst het woord aan de trainer van de tegenpartij. Monsieur, merci, je vous donne la parole pour votre analyse du match. L'analyse, c'est qu'on a perdu 2. Donc, sur une première mi-temps équilibrée, je dirais, dans le sens où on a pris le match en possession sur les 25 premières minutes, ou sur la deuxième partie de la première mi-temps, on a un petit peu déjoué, où Ostende a repris un peu le fil du jeu. Ensuite, sur la deuxième mi-temps, moi je suis venu en Belgique pour jouer au football, et j'ai trouvé un show arbitral, ce qui nous a mis dans des conditions de match difficiles, parce que jouer à 9, ça devient très difficile. Donc nous, nos joueurs doivent se maîtriser beaucoup plus, c'est certain. Maintenant, je pense qu'il y a une avalanche de cartons qui sont totalement inutiles, qui détruisent le football. Et je suis d'autant plus étonné que, et ce qui paraît, c'est le même arbitre qui a arbitré la saison passée un match houleux aussi. Donc je ne sais pas comment on gère au niveau de la fédération belge, mais je crois que ni Ostende ni nous sommes responsables, tout du moins les entraîneurs et les équipes. Mais il y a quand même des grosses questions à se poser, quoi. Donc on a perdu 2-1. À 9 contre 11. Ça, c'est difficile. C'est difficile, certainement. Merci. Voilà, je vous en prie. Laten we zeggen dat ik blij ben met de 2-1, maar ik kan eerst toch beginnen met in naam van Ostende ons toch te verontschuldigen voor de wedstrijdsituatie waarin dat de mensen moeten spelen hebben. Je vais d'abord, je vais dire en français. C'est gentil. Je comprends. Je voudrais m'excuser au nom d'Ostende quand même pour les circonstances de match de la deuxième mi-temps. C'est comme vous dites, on ne peut rien y faire, aucune des deux équipes. Et je pense qu'on a encore été intelligent à un certain moment comme entraîneur, comme staff, à essayer de séparer les joueurs parce que ça pouvait partir une bagarre de rue, je pense. Ouais. Dus daarvoor ook dat ik daarna direct na de wedstrijd mijn spelers direct weggepakt heb naar verdere oren op het veld. Ik denk dat dat het slimste was op dat moment. Maar voor terug te komen naar de wedstrijd, ik denk, we zijn veel te slap begonnen. On a commencé trop mou. Fran Borin, Bouchedur, pardon, était mieux rentré dans la partie que nous. Techniquement, ils étaient mieux. Technisch, op technisch vlak waren ze beter. Il y avait une meilleure circulation du ballon, was een betere balcirculatie. Et je dois dire, la petite erreur qu'on fait sur le but, de fout die we doen op die eerste goal, de onderlinge dekking die niet aanwezig is, la couverture mutuelle qui est pas présente, nous a un peu réveillé, je pense. Et alors on marque sur une phase arrêtée. Bon, je pense que cette année sur phase arrêtée, on marque 3 buts, 3 phases arrêtées, ça nous rapporte 4 points. Donc il est clair, het is duidelijk dat we daar heel sterk op zijn. Op één voorwaarde dat ze goed getrapt zijn. Une condition qui sont bien données. Puis on rentre dans la mi-temps et je pense que deuxième mi-temps on a commencé un peu plus agressif. Et puis bon, après, il n'y a pas beaucoup de mots pour dire. Les circonstances de match étaient en notre faveur. De wedstrijdomstandigheden zijn in ons voordeel uitgedraaid. Moet wel mijn ploeg feliciteren. Je wil quand même allez, féliciter mon équipe sur certains points. Pour, ils sont restés calmes quand même. C'est pas toujours facile. Mais à certains moments, on pouvait prendre une bête carte rouge aussi. Denk ik aan Michiel Jonker, numéro 10 chez nous. Il fait 2 fautes d'affilée, 2 fois la même faute en 2 minutes. Mais il le prend pas. Et puis, bon, ça met un coup de nerf à Bouchedur. Et puis, bon, après, ça part. Daarna kunnen we niet klappen van voetbal. Après, on ne peut plus parler de football. Plus, je ne suis pas content de mon équipe. Quand on a joué contre 8 joueurs de champ, on ne trouvait pas la solution. We vonden de oplossing niet. Ik heb veel geprobeerd. Misschien te veel mensen vooraan geplaatst. Of iets te vroeg gewisseld op het moment dat de vlam in de pan zat. Heb ik misschien iets te vroeg gewisseld. Maar daar is duidelijk nog veel werk aan de winkel. Dat is nu tegen Union dat we tegen 8 man spelen. Vandaag tegen 8 man. We halen er veel te weinig uit. 8, ja, 8 veldspelers en een keeper. Peter, een keeper tel ik niet. De keeper die staat daar een bloempot. Die doet niet mee. Dus ja. Aussi bien à l'Union qu'aujourd'hui on termine le match qu'on 9 joueurs. Allez, 8 joueurs de champ et un gardien, ça fait 9. Et on ne sort pas assez. We vinden de oplossing niet gemakkelijk genoeg. Voetballend moet veel, 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 veel beter. Want we gaan het niet elke week doen op de laatste minuut scoren. On va pas marquer chaque semaine dans les dernières minutes. Maintenant, ça nous repart 4 points en 2 matchs. Ça, je suis content. Mais footballistiquement, on a beaucoup de boulot.
Dat was het. Ja. Dat was het. Dat was het.